Exiles, ici Zelk en compagnie de la belle et magnifique Elona, autrement dit Gecko, pour notre retour tant attendu sur Path of Exile pour le let's play de l'acte 4. Gecko, un mot. Bonjour. Alors oui, voilà, c'était un mot, merci d'être passé, tout va bien. Alors oui, comme a dit mon cher confrère, nous sommes partis sur la fin de l'acte 4. L'acte 4 qui, que je n'ai toujours pas terminé personnellement. Bon, après, Zelk l'a fait, à mon avis, en long, en large, en travers depuis sa sortie. Et moi, j'ai attendu qu'on termine ce let's play pour terminer l'acte 4. Donc, on est parti pour ça. Exactement, on est exactement. Exactement. Bon, du coup, la dernière fois, on avait fini donc Daresso, oui. La reine de Daresso, le gladiateur, tout ça. Maintenant, on va retourner, aller chez Kaom. Bon, rentre dans la zone. Faut que je parle à Diala. Ah, tu dois parler à Diala. Bon, je t'attends chez Kaom. Sur mon temps de chargement supérieur. Ok, bon. Donc, un petit truc aussi, c'est que le perso que j'avais fait pour la vidéo précédente, etc. Vu que le temps a passé et que ce perso a level up, j'en ai repris un autre du même level que le personnage de Gecko. Il a fini d'élite pour la petite information. Sûrement. Bon, alors, du coup, t'arrives ou pas? Oui, tu arrives. Nice. Oui, comme j'ai dit, mon temps de chargement, voilà. Et bienvenue dans le volcan, les flammes infernales. La péninsule des flammes infernales, ça me rappelle les choses, ça. Et mourez! Alors, oui, aussi, je joue un petit Spectral Trail. Ah voilà. Bon, je suis là en train de me marrer comme un con. Si jamais vous voyez mon perso qui fonce dans les murs, c'est parce que j'ai mon écran qui s'éteint tout seul. Donc vous posez pas de questions, je vais essayer de donner le change les moments où ça s'éteint. Moi, j'espère que ça s'éteindra plus d'ailleurs. Bah oui, tant qu'à faire, ça serait bien. Ça serait pas mal. Si vous pouvez choper ce ghost, non, pas ici. D'accord. Et oui, j'ai récupéré un objet. Comment t'appelles ça? Déjà sur jeu unique, c'est ça? Unique. Légendaire. D'accord, oui, les uniques. Légendaire, d'ailleurs, cette zone est vachement stylée. Oh, d'accord, les gens. Bonjour. Bonjour, les gens. J'ai vu qui a fait mon petit build flèche de glace. Mais moi, j'ai vu comme ça. Flèche de glace, c'est ça. Oula. Oh merde. Oh, c'est nouveau ça. On va mourir. Ah oui. C'est le principe. Alors, il y a un gens derrière. Meurs. Les gens, mais qu'est-ce que tu fais là? Il est partout sur vous. Il est partout ce mec. Donc Kaom qui est le chef des Karui pour le lore. Tant qu'à faire, on va faire un peu de lore. Ah, écoute, si tu le connais, c'est avec plaisir que j'approfondirai mon lore de... En fait, en gros, ouais, donc dans le lore, Kaom, c'est le chef des Karui. Tu sais, dans les classes, tu peux jouer un gros barbare en mode... Adrien. Le mec rouge, là. Ouais. Le mec rouge. Oui. Non, pour le coup, leur inspiration c'est les Maoris, enfin bref. D'accord. Et en fait, en gros, le gars il s'est ramené de ses îles, etc. En mode on va conquérir la zone, on est tous des malades, etc. Sauf que le mec il s'est fait corrompre par un dieu sombre, ce qu'ils appellent le dieu sombre, Kitava. Il s'est fait corrompre et au lieu de combattre les méchants, etc., il est devenu un méchant, il a sacrifié ses 500 de troupes d'élite et il a laissé les autres crever sur la plage. Et donc, toi, es un rescapé. Donc, si tu joues un Karui, tu es un rescapé des gars qui l'a abandonné, c'est ça? Ouais, plus ou moins. On peut imaginer ça comme ça, ce serait vachement. Ouais, on peut imaginer ça comme ça, mais pour être plus proche du lore, en fait, en gros, les Karui, c'est aussi des esclaves, tu vois. C'est des esclaves, des gars sur le continent, et en gros, toi, ton personnage, c'était un esclave qui s'est rebellé. Quand tu joues le Karui, là, il s'est rebellé, il a dit fuck it. Et en gros, j'ai level up. Ouais, je sais, merci. Et en gros, il s'est fait exiler parce que t'as sûrement tué ton maître, une connerie en mode pas content. Pas content. D'ailleurs, on est repassé sur le mode normal de Path of Exile. Du coup, vu que la ligue s'est terminée entre deux. Normal. Entre bizarrement. Oh, un Exile. Meurs, chien. Exile, où tu es, d'accord. Je n'utilise pas mes autres sœurs parce que je sais pas ils servent à quoi. Hein. Donc, si jamais vous posez des questions, tu peux peut-être essayer. J'ai pas trop envie de faire de bêtises. Alors, c'est ça. Ah, d'accord. Wow, c'est Bagdad. J'ai de dire un truc, mais c'est pas vraiment l'occasion. Non, c'est peut-être pas le meilleur moment. Tout bordel qui s'est passé, non, ça va aller. Oui. J'ai l'impression de faire plus ou moins 3 points de dégâts. Ouais, mais ils sont pas mal tant qu'ils se l'ont pris là. Ouais, t'as eu ça pour des totems? Ouais, c'est. Putain, vivement le patch! Je veux mon totem baliste. Ah oui, ton totem baliste. Tu sais que ça m'a fait penser quand tu m'as dit baliste. J'ai pas relevé son nom, mais ça m'a fait penser à mon build que je joue sur ma chasseuse d'éléments sur Diablo. Ah. Il est. La tire des balistes, enfin, non, en fait, balistes non, tu mets tes balistes et les balistes. Font le taf à ta place. C'est ça, tu les poses, tu en posais deux. Et quand tu utilises un sort,
tes balises sont le même sort que toi. Du coup, c'est hyper fort, c'est hyper stylé. Ouais, c'est hyper stylé. Ouais, bah là, quand ils l'auront mis, enfin, j'ai tellement d'idées de bait à faire là. Moi, j'ai surtout envie, c'est de jouer les spells physiques, comme je t'avais expliqué. Oui. Là, il y en a un spell d'AOE, enfin deux spells d'AOE, dont un qui m'intéresse particulièrement. Tu vas faire mourir ton ordinateur. Oui, sûrement, sûrement. Mais il aura bien vécu. Et toi aussi, Rakongo. Rakongo. Et ils sont jolis, les monstres, franchement. Ouais, la zone est super stylée. Hein. Ah, tu verras par la suite, c'est un peu plus gore. Et si c'est un peu plus en flamme. Ah, mais dès qu'on aurait utilisé l'espèce de suppositoire géant pour entrer dans le mur. Oui. T'as des métaphores assez bizarres, mais oui, dans un certain sens, oui. Non, mais tu m'as dit autre chose avant, donc je répéterai pas. Oh. Disons qu'un suppositoire, c'est pas mal. Le rayon Phénix. Allez, meurs. Ouais, yep. Moi je prends des trucs. Mais... Oui, au pire, ramasse, c'est toujours utile. Oui, clairement. Bah là, j'ai bien augmenté mon DPS normalement depuis la dernière vidéo parce que j'ai. En fait, faut savoir que j'avais hâte de faire la vidéo suivante de passer avec Glenn parce que j'ai loot donc le torse unique et ça m'a up grandement mon DPS et j'ai chopé un arc aussi qui était vachement fat. Et du coup, j'ai toujours été dégoûté de pas avoir pu l'essayer. Ouais, tout ça, c'est ma faute, on est pas, hein. Ouais, hein, c'est ça ce que tu veux dire. Bien sûr, c'est ta faute. Je me rappelle plus ce que c'est. Alors, tu pourrais finir le boss derrière le mini. Oui, t'inquiète, je gère. Ouh, joli l'écrit. Tu gères. Je gère la fougère. Gère la fougère. Ah non, ça c'était un TP, c'était pas forcément la meilleure idée. Ah, mais ça va, tu vois, tu récupères tes spells et tout. Enfin, tu récupères. Oui. Attends, j'ai un petit coup de lag. Ouais, non, ah ouais, attends, mais j'ai tout up là. Comme ça, je suis pas super loin. Ou alors, vas-y, je te laisse partir, je vais up ça. Ça bah non, ça, non, ça. Bah, je vais t'attendre parce que de toute façon, c'est. Non, t'inquiète, fais. Fait donc, là je suis en train d'essayer de trouver ce que je dois prendre comme comme spell. Je pense que je vais aller chercher un truc comme ça, increase physical damage. Non, 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 pas ça. Si t'es parti par là, c'est qu'il y avait une raison. Peut-être ça. Ah, non, oh, ça voilà. Avatar of Zone. Un quiver nice. Pour toi. Bon, je sais pas s'il sera utile, mais je le dépose au sol. Regarde, il y a des choses intéressantes. Oui, oui. Dessus. Oui. Bon, par ici, Carole. D'accord. Pourquoi je suis enflammé comme ça? C'est trop fun. C'est les radafages, tu te souviens de ça? Ah oui, bah, donc là en fait, je suis enflammé depuis le début de la vidéo. Oui, ah, en effet. Oui, l'homme qui découvrait ce qui lui est arrivé. C'est pas vrai. Mais bizarrement, mes mains sont en feu, mais que se passe-t-il? C'est mensonge. Mensonge. Et le level up! Ah oui, alors GG à toi. Mais oui, mais GG à moi. GG à toi. Tu surutilisais mes potions de mana. Vas-y, trace un peu, je vais faire. Oui, je vais. Déjà regarder où j'en étais dans cet arbre talent. Ah. Alors, en mode progression solitaire. Et là, nous voyons Elona dans son. Dans son état naturel. Nous voyons une Elona dans son milieu naturel. Elle progresse. Putain, en fait, je fais hyper mal. Hein. C'est magnifique. Enfin, quand j'ai de la mana. Ah, est-ce que son manœuvre directement c'est beaucoup de manœuvre. Au choix, tu prends Herald of Ash ou l'autre le bleu. Etred, si tu veux choisir, ça donne le meilleur boost de dégâts. Parce que là, au niveau mana, c'est horrible. Ok. Trop de puissance. Trop de puissance. Aïe aïe. T'as vu la vitesse à laquelle je tape avec mon gros marteau là? Je suis un ninja avec une masse à deux mains. Ah, c'est fat pour le coup. Ah ouais, moi je vais voir ça dans un manga. Mais tu joues quoi en fait là? Tu joues un espèce, normalement c'est un espèce de fufu. Non, c'est une ranger. Tu joues une ranger? T'es une femme? Ah oui, je sais, je n'ai pas l'air, mais je suis une femme. Et alors, qu'est-ce qu'il y a problème? Quoi? Aurais-tu des problèmes avec ta sexualité? Écoute, t'as un tricorne, une grosse masse à deux mains et une armure en plaque. Au niveau de ma sexualité, non, je vous assure les amis, je suis un homme. Je suis un homme, je suis un homme. Je le plus naturel en somme. Bref, ça parle, ouais. Oui. Non, mais sinon, ouais, c'est juste que, bah oui, forcément, avec une grosse armure de plaque, ouais, une grosse massue à deux mains, et un truc tricorne sur la tête, oui, en effet, on pourrait croire que mon perso est un personnage masculin. Oui. Mais non, c'est un non. En plus, enfin, encore une fois, c'est pas comme si en gauche de mon écran, il y avait. Oui, oui, aussi, non, voilà, c'est pas comme si t'étais Big Bleu et qu'en haut à gauche il fait mi, mais non, voilà. Fait mi, dit-il, en bien belge qu'il est. Ah bah, ça va. Fais parler à monsieur le bordelais. Ah oui, tout à fait. Tout à fait, Jean-Luc. Si on parle français correct.
Ouh, qu'est-ce que c'est que ça, des chiens bleus. On leur roule un peu dessus, hein. Oui, oui, franchement, c'est tranquille. Oh, fuck it, je vais mourir. Mais mec, on leur roule un peu dessus quand même. Non, non, mais attends, mais c'était... Bah arrête, t'es vu là et tout, je me suis pris sur la gueule. Ok. Je me casse, je me barre à plus. Débrouille-toi tout seul. En même temps, il y a que des mobs bleus ici, bizarre. Hein. Mais il y a un épique au milieu. Enfin, un unique. Un légendaire, enfin, j'en sais rien. Une saloperie qui a plus de PV que le un reste. Un truc qui est plutôt fort. Ah oui. Il fait hyper mal. Ses sbires prend hyper mal. Ouh, et il prend pas de dégâts du tout. Enfin, si tu tapes pas dessus, forcément. Mais... Donc, si tu tues l'entité principale, on va appeler ça comme ça. Ouais, les tentacules meurent. Ah, aussi. Nice, du coup je vais pousser. Ah, mais ça fait mal tout ça. Ça pique à mort. Hein. Il s'appelle Iskiriaki. Oh sa mère. Tu vas mourir. Putain, les dégâts. Ah, c'est nouveau ça. Quand tu prends les dégâts, comment dire. Ta visibilité elle est réduite. Enfin, c'est nouveau. Non, non, c'est pas nouveau. Ah, d'accord. C'est juste que tu t'es tellement un pro, etc., que jamais t'es descendu en dessous des 30%. Ouais, ça doit être pour ça, ouais. Voilà, ce mec, il faut savoir, en fait, il fait semblant que c'est un noob, mais loin de là, chers amis. En fait, il a 4 accounts, full level 100, oui, etc. Bien sûr. Ce mec. Il est reconnu premier level 100 sur Pass of Exile. Pro player de PoE, qu'est-ce qu'il y a. J'apprends aux développeurs à créer leur sort. Non, il faut savoir, en fait, c'est un développeur. Non. Le mec, en fait, c'est le dieu de PoE. En fait, vous savez, quand vous essayez de faire un roll sur une arme, genre mettre deux liens ensemble et que ça veut pas, alors que c'était en train d'utiliser 45 fusibles. En fait, c'est lui, de l'autre côté, il est sur son PC, il fait toi, non, j'ai dit non. Putain, mais ces saloperies, elles font trop peur. Ça fait penser à Princesse Mononoke. Des mini totems. À quoi? Mais arrête, c'est pas des mini totems. Mais si, c'est des mini totems tout mignon. Mais non, c'est dans quel dessin animé de Miyazaki Sak et des trucs comme ça? C'est pas celui où il y a la fille qui travaille dans un restaurant, il y a tous des gens qui mangent. Non. Avec le gros truc noir? Non, c'est pas celui-là. Bon après, dans Miyazaki, de toute façon, il y a tellement de trucs bizarres. Oui. Bah je critique pas, hein, j'adore les trucs bizarres. Non, mais... je pense que c'est dans Princess Mononoke. Voilà. Je demande à... Bon, rentrons dans le Stronghold. Ouais, j'ai déjà cliqué dessus, hein. Le bastion de Karom. Oui, j'ai cliqué dessus aussi, mais voilà. Il faut le temps que... D'accord, allez, écoute, moi je vais prendre Tobey Point et je commence la zone, donc on se rejoint plus loin. Oui, on se rejoint dans 2 minutes, j'arrive, tout ça. Je prends Weapon que j'ai déjà, parce que voilà. Je vais prendre le mauvais chemin et au final, voilà. Moi je me bats pas pendant que t'es déjà en train de te battre. Ah, j'ai un bug de souris. Oh, c'est joli ici. Battons-nous sans souris. Sans souris. Le pad. Non, mais sans le pad. Je suis pas sur le portable, je suis sur le fixe, donc forcément je fais avec la souris. Ah, sa mère. Va mourir. Mais la triche. C'est un coup plus faible. Voilà. Yep, réparation de souris. Ok, les totems ils sont pas gentils en vrai. Non, mais ce que je veux dire c'est que... T'as déjà vu des mobs dans le jeu qui veulent du bien. Ils te veulent du bien, tu les regardes, ils vont te heal, je sais pas, des choses comme ça. Oui. Non, ça n'existe pas. Toutes les choses dans ce jeu veulent ta peau. Mais ouais, c'est un peu l'idée. Bon, alors si t'as envie de venir m'aider, c'est quand tu veux. Bah non, peut-être ça va. Ouais, 2 secondes. Dès que ma souris est réglée. Bon, ça va, je gère. Sa mère là, est. La vilaine. Putain, mais j'ai jamais de mana. J'en ai marre. Aïe! Bon, c'est quand tu veux, hein. Ah, parce qu'en fait, j'ai mon clic gauche qui parfois il dit non. Il dit que non, je veux plus cliquer. Donc, du coup, tu te retrouves soudainement avec un perso complètement. Ah, oui, je peux pas bouger aussi. Et tout. Donc, ah, oui, c'est vrai, ils ont tué le mien aussi. Bande de vilains! Ah, là, il y a un truc. Comme dirait Perceval. Ah, non, pas Perceval, Bord. Mais créant! Oui, Bord, tu peux faire ça. Bon. Sinon, ça pousse. Vas-y! Ah, sinon ça pousse très bien. Ça pousse. Sinon, ça pousse. Attends, putain, j'arrive pas à prendre. Ça fait tellement discussion, tu sais, genre soirée bobo, etc. Sinon, toi et ta femme, ça pousse. Ça pousse. Ouais, c'est un peu l'idée. Bah alors, meurs. Allez! Et donc en fait ici tu vois on voit l'architecture des caruis, c'est joli. Là c'est assez joli, hein. je suis assez d'accord, c'est vraiment sympathique. Je vais prendre la droite. Hein, Oui mais je t'accompagne. Non, non mais va de ton côté, t'inquiète, j'ai pris mauvais chemin sûrement. T'es venu dans une zone, oui voilà, donc au pire tu meurs. Ouais voilà, pas de problème. Au pire on se retrouvera sur la bonne route. Oui. Des vacances.
c'était peut-être leur jeu de chance. Ouais, c'est par ici. Ah ouais, mais ça, j'imagine, c'est jamais du côté où je vais. Impression à certains. C'est comme la loi de Murphy, tu sais. Oh putain, y'a du peuple! Wouh! Y'a des peuples? J'arrive. Ah ouais. T'es parti par où? T'es remonté là du coup? Ouais. T'es passé en dessous de la petite maison. Pierre, tu peux te TP sur le truc si tu mets bien ton souris. Oui, c'est oui, bon. Oui, wouh! T'inquiète, j'ai un sort qui me permet de te TP partout. C'est quoi tous ces petits rayons bleus? Flash, putain, flash! J'y veux ce truc. Allez, à mort. Flash. Flash. Un ghost! Chope-le! Et qu'il a de face! Dites-moi, bon, oui, il faudrait le mettre dans les packs de meubles. Mais ouais, mais il a pas envie de venir de sur nous là, salope. Bah, tue-le, on verra. Oui, mais ça faisait pas partie d'une ligue avant, tu m'avais dit? Si, ça faisait partie d'une ligue et ça t'a augmenté dans le jeu de base. Ah, ça c'est nice pour le coup. Et hop, mais. Oui, ils font souvent des choses comme ça. Chaque ligue est importante dans le jeu de base ou c'est pas chaque ligue? Non, en fait, en gros, ça dépend des ligues aussi. Si les ligues sont réussies, etc., que les challenges qu'ils apportent en plus sont intéressants, bah. En fait, c'est eux qui jugent pour le son des retours, etc. Oui, voilà. Enfin, c'est surtout. En fait, non, c'est même pas eux qui jugent, c'est ISPO, enfin, ils se basent sur le retour des joueurs. Si les joueurs ils disent que c'est de la merde, ils vont pas l'implémenter. D'accord, c'est un super principe en vrai. Oui, franchement, j'aime aussi. Bon, par contre, à la fin, quand tu te dis qu'il y a un nouveau joueur qui vient se mettre sur le jeu et qu'au final, de ce qu'il doit apprendre de base, en fait, il y a 80 000 nouveaux trucs, tu te dis un peu. Eh. Oui, ça donne pas franchement envie de commencer le jeu de base. Enfin, ça dépend. Après, tu peux aimer énormément. Tu réfléchis pas trop quand tu commences le jeu, je pense. T'arrives, tu tapes. Oui, après, ça doit être. Oui, voilà. T'es là en mode bon. Puis ça doit être normal pour toi, donc voilà. À mon avis. Puis ça fait plein de découvertes. Ouais, mais carrément, il y a plein de petites choses à savoir en plus du jeu de base, c'est vachement cool. Je te laisse galérer. Le mec vient de m'éclater les oreilles, et je pense que les vôtres aussi. Bon, par contre, quand on va arriver au boss, je t'explique rapidement sa petite strat. C'est pas super compliqué, oui, mais ça fait super mal au fait. Ça fait super mal. Ok. Ouais. J'ai super pas de vie, oui. Ça va pas être évident. T'as combien de PV? 1000. Bon, ça va, je suis à 1500. Ouais, mais ça va. Au pire, si tu meurs, je meurs. Quoi. C'est plutôt l'inverse. Si tu meurs, je meurs. Aussi, oui. Ça, c'est plus certain. T'as du life steal sur ta saloperie de trucs là ou pas? Ouais, enfin, j'ai du life gain on hit. Chaque fois qu'une de mes masses qui s'envole. Ah, oui, du coup, en AE, c'est pas mal, non? T'as une grosse gêne. Ouais, en AE. Ben, surtout sur les packs, tu sais. Plus ça touche, plus je regarde. Putain, mais c'est quoi toutes ces explosions? Je crois que ça pop. C'était pas ça, c'était pas là la dernière fois. Qui me sautent dessus. Mais oui, c'est trop mignon. Oui, ils sont tous chupis. Ils sont là. On dirait un petit élémentaire de feu. Défonce-lui la face! Mais il est intuable ce salaud là. Oh, il ramasse tes dents. Il en a pas! Il ramasse tes cailloux. Oh, une rapière. Putain, mais tu cours hyper vite. Quand j'utilise ma popote. Ah, d'accord. Moi j'ai que des potions de mana et des potions de. Bon, on devrait plus être super loin, je pense. Peut-être faire un peu de préparation avant, peut-être. Oh, il y a un ghost qui envoie des trucs. Oh merde, il est rentré dans quelque chose. Attends. Ah oui. Là, tu vois, c'est quand un ghost rentre dans un autre jeu ou unique. Ah merde. Après, il lootera plus normalement. D'accord. Ça se trouve. Voilà, j'enlève la loot pas mal. Oui, voilà, 3 items jaunes, 4 items jaunes, c'est pas mal. C'est pas dégueu. Mais je vais pas les ramasser parce que j'ai sûrement plus de place dans mon inventaire. Ah, ok. Bon. Alors. Du coup, le chemin ici est bloqué. Ah putain, mais tu m'envoies dans des guet-apens, toi. Dans des guet-apens. Toujours là-bas. Guet-apens. Donc du coup, ça doit être vers le haut. Peut-être vers le haut. Allons-y. Oui, j'y suis. Oui, j'y suis. On est sur le bon chemin. Portal scroll. Ok, on est devant Caldera of the King. Bon, du coup, mon cher, regarde. Bah du coup les gars, on va vous laisser là, donc on vous reprendra sur le prochain boss, on vous dit à tout de suite. À tout de suite.